Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouveau test de jeu rétro, et cette fois-ci, on va s'intéresser tout de suite à un bon petit jeu d'action plateforme quasiment, mais assez récent, si je puis dire, à savoir Turok Evolution sur Game Boy Advance, enfin sorti en 2002 sur Game Boy Advance et édité par Acclaim. Un jeu de, comme je viens de vous dire, c'est un mélangeant action et plateforme où on met en scène un Amérindien qui se nomme Turok. Enfin, le jeu, je sais pas, je crois qu'il s'appelle Talset, mais on le surnomme Turok, je sais pas. Hein. Bon, peu importe. Enfin, donc, vous contrôlez donc un Amérindien qui est le guerrier d'une tribu qui est emporté par une espèce d'une dimension parallèle qui est assez sauvage, si je puis dire, et qui rencontre un autre mec. Voilà, guerrier de la tribu, June accepte de l'aider dans sa quête. Voilà. Ouais, en gros, on joue un guerrier amérindien qui est plongé dans un univers totalement, mais limite bien sauvage, mettant en scène des monstres et des dinosaures. C'est bien, c'est très bien, c'est très bien. C'est Jurassic Park avant l'heure. Donc, allez, c'est parti, on va pas perdre de temps. On va d'abord. Ah oui, donc dans ce jeu, on peut choisir deux personnages, à savoir Jean, enfin June et Talset. Donc, on va prendre le fameux Talset. Les Lost Lands sont équipés d'ignobles créatures de technologie high-tech, surgissent partout et décidés de tout exterminer. Ah, d'accord. Ouais, en gros, il y a un mec qui est l'ennemi de Talset, enfin le héros qu'on contrôle. Et le but, c'est de battre tous les ennemis, tout en faisant attention aux monstres. Ouais, allez, on continue, voilà, c'est parfait. Donc. Alors, vous pouvez tirer, sauter, tirer, voilà, oui, tirer sans arrêt. Voilà, oui, alors les ennemis, franchement, ils sortent quasiment, mais de n'importe où, ils apparaissent dans des espèces de trappes. Et ça c'est un petit peu salaud sur les bords. Hein. Voilà, attendez, oui, voilà. Je sais pas d'où elles sortent ces trappes. En tout cas, une chose est sûre, c'est un très bon piège. D'accord. Là, j'ai pris une autre arme. On va te dégommer. Encore. Encore. Voilà, oui, parfait. Attendez, attention, oui, au barbelé. Ah, super, bah voilà, justement, bah voilà, dinosaure. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oui, mais oh là, oh là, attention. Là, je suis en train de me faire poutrer. Oh, attention, je suis en train de me faire poutrer. D'accord. Ok, super accueil et super ambiance. Bon, là, j'entre quasiment dans la base. Voilà, on bute des mecs. Voilà, là, oh non, encore un dinosaure! Et je meurs! Oh mince alors! Bon! Bon, comme je viens de vous dire, le jeu est bien, mais bon, un petit peu. Je suis pas un grand fan de Turok, parce que Turok c'est quand même une licence qui a quand même vu le jour au tout début des années 90 et quelques. Histoire d'un Amérindien qui vit dans une période qui est un mélangeant entre l'univers humain et qui cohabite avec des dinosaures. Bref, le mec c'est quasiment Rambo quoi. Attention, attention, voilà, encore un dinosaure, qui est le même que tout à l'heure. Là, allez. Allez, la porte, tu t'ouvres, oui. Allez, voilà, ok, c'est parfait. On continue, on dégomme. Attendez, parce que je crois que si je me souviens bien. Oui, il y a le dinosaure, oui, allez, tiens. Là maintenant, le dinosaure est une espèce en voie de disparition. Ah, attendez, parce que là il y a encore d'autres. Mais oh la messe! Ah, c'est pas. Oui, alors faites gaffe, les ennemis peuvent quasiment vous tuer, mais rapidement. Que ce soit par les armes à feu ou les couteaux, leur propre couteau. Ouais, c'est vraiment. On entre littéralement en plein ambiance film de guerre, quoi. Ah, ok, parfait, j'ai pris une arme, c'est bien. Voilà. Je vérifie s'il y a rien. D'accord, parfait. Oh, attention, attention, attention. Qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord. Ah, j'ai trouvé une espèce d'attrape rêve. Je sais pas à quoi il me sert, mais bon, hein, il va me servir à quelque chose. Oh, attention, parce que là, il y a encore un autre mec qui veut. Oh, attention, attention. Voilà, c'est toujours le même en plus. Je sais pas comment il fait pour repopper. Voilà, oui. Ah, oh, mince. Attends, zut, 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 zut. Attends, mais j'essaie de tomber point de tirer sur le dinosaure, mais le problème, c'est que. Oh, on est sans arrêt, mais dérangé. Et ça, c'est chiant. Allez, parfait. Oui, ok, parfait. Voilà, c'est bon. Attention, attention. Oh, attention, attention. Oui, embuscade, 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 embuscade. Voilà. Ah, merde. Oh, stop, les gens. Oh, on se calme, les mecs.
Et alors, si je me souviens bien, Turok, c'est aussi le nom d'un personnage de BD qui est apparu dans une vieille, je ne sais plus dans quelle marque de comics, au cours des années 50, je crois, qui ensuite a été adapté en jeu vidéo au cours des années 90. Histoire d'un Amérindien que je venais de vous dire, il s'appelle Turok, et qui cohabite avec des cow-boys et des dinosaures. Oui, alors, je ne sais pas exactement comment les dinosaures dans l'univers de Turok ont réussi à survivre. C'est la logique de cette licence m'échappe un peu, quoi. Oh! Et là, je vais me faire exploser la gueule. Voilà, c'est bien, c'est très bien. Bon, le jeu, franchement, il est bien. Enfin, encore faut-il être un véritable fan hardcore de la licence Turok. Bon. Allez, on continue, on va essayer de voir si on peut se montrer prudent. Attention aux trappes. Voilà. Oh, attention! Oh là là, c'est pas vrai ça. C'est salaud ça. C'est fou à quel point les ennemis sont salauds sur les bords. Car un coup, ils vous attaquent par surprise, un coup, ils vous attaquent comme des gros bourrins, un coup, ils vous attaquent. Ouais, c'est. Attention! Oh là, attention! Non, 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 oh, allez, ça suffit, hein. Oh là, attention, attention, parce que. Ah merde! Ah, bon, écoutez, je suis obligé de vous laisser là. Aïe, merde! Oh là là! Qu'est-ce qui m'a tué, sérieux? Non, attends, ne me dis pas que le dinosaure a pris un raccourci pour tendre une embuscade. Non, 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 oh ouais, ça. Non, je l'accepte pas, ça. Allez, on continue. Bon, sinon, bon, si vous êtes fan de Turok, bah, n'hésitez pas à tester ce jeu. Et s'il le faut, j'essaierai de voir si je peux tester celui qui est sorti aux alentours des années fin 90, début 2000 sur N64. Bref, je sais pas, je vous promets rien. Ouais. Allez, allez, on avance, attendez. Voilà, on retrouve notre ami, le dinosaure et le soldat. Bon, écoutez, je suis obligé de les ignorer. Je suis désolé, parce que j'ai vraiment pas envie de risquer mon cul. Ah, super, un lance-flamme. Bon, bah, c'est original, on va pouvoir tout cramer. Allez! Brûlez en enfer! Allez, ouvre. Voilà, allez, on crame, on crame, on brûle, voilà. Ah oui, et dans ce jeu, comme je viens de vous dire, on peut tirer, sauter et s'accroupir. Voilà. C'est bien. Oh là, c'est quoi ça? C'est quoi ces mutants là? Oh là là, c'est quoi ces choses là? Ah, ok, parfait. Fin du niveau 2, c'est bien. Voilà, c'est un cimetière de tanks. Démobilisé, d'accord. Oui, en gros, on va atterrir dans un. Ah, ok. Oh, super, belle ambiance. Ah, c'est vraiment un cimetière de tank. Hein. Ça me rappelle le fameux niveau du cimetière des éléphants dans le Roi Lion. Super, après le cimetière des éléphants, le cimetière des tanks. Voilà. Il dirait presque le titre d'un roman d'un roman fantastique. Je sais pas pourquoi. Voilà, alors attendez. Là, il y a une plateforme qui vole. Enfin, qui vole pas, qui tourne de droite à gauche. Voilà. Oh, attention, 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 attention. Mais putain, mais. Oh là là, putain, mais c'est cette attaque de saloperie de merde, sérieux. Oh. Hey, j'ai horreur, franchement, qu'on va être attaqué par surprise. Franchement, c'est vraiment un coup de salope, hein. Et qui faisait une stratégie de salope. Bon, d'accord, on est censé être dans un cimetière de tanks. Le problème, c'est qu'il y a des tanks qui fonctionnent encore. Ouais, parfait, on continue, on continue. Oui, alors faites gaffe parce que les ennemis, ils apparaissent dans des espèces de trappes surprises. Je sais pas comment ils font. Allez, on va pulvériser ce tank. Voilà, attends. Ouais, oh là 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 là, d'accord. Mais c'est vraiment la surprise partie, c'est la surprise partie. Oh là, d'où il sort encore celui-là? Eh non, 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 toi tu dégages, toi tu dégages, toi tu dégages. Oh là, mais c'est qui celui-là, mais c'est. Oh là 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 là. Ouais, attention, ah non, là là. Mais quand c'est pas les monstres qui vous harcèlent, c'est les soldats, putain, oh là là. Oh là là, mais regarde-moi cette petite salope là. Vas-y, oh là. Ah super, des mines. Ça tombe bien, on en a vu tout à l'heure. Sauf que je les ai désactivés. Attention, ah merde, merde, ah là là, saleté de. Attention, oui, alors faites gaffe parce que les ennemis, quand vous les tuez, ils repopent, ils peuvent vous attaquer par derrière. Et ça, c'est pas loyal. Oui, allez, oui. Continue. Ah,
Pas de femme. D'accord, il y en a un qui apparaissent comme des ninjas, c'est bien, c'est très bien. Oh non! Putain, direct par les pieds, sérieux! Putain, mais. C'est pas loyal, monsieur l'arbitre, sérieux! Putain, mais j'ai l'impression que tout le monde veut votre peau, j'ai. Mais c'est vraiment une ambiance très style film de guerre, quoi, hein? Même à côté de ça, mais Rambo, c'est du théâtre. Et non, toi tu me poignardes pas. Oui, alors les ennemis, comme je viens de vous le dire, quand ils s'approchent trop près de vous, au lieu d'utiliser leurs propres armes à feu, ils utilisent leur couteau de guerre. Ça aussi, c'est efficace. John Rambo n'en fait pas exception avec ses attaques de couteau. Voilà. Bon, lui, il va. Voilà, attention. Oh là là, mais oh putain, mais le gangbang! Mais le gangbang! Ah mais le jeu a beau être bien, franchement il est bien, il est très bien, mais franchement je sais pas, c'est bon, comme je viens de vous dire, je ne suis pas un grand fan des jeux de Turok, et pourtant je suis partagé entre le bien et le pas bien quoi, et le moyen, oui, et qui plus est le moyennement bien. Oui alors, comme je viens de vous le dire, les ennemis ils peuvent repopper, hein. Alors, restons prudents. Oh non! Putain, mais quelle salope! Oh là 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 là! Bon, attendez. Dernière chance. On va essayer encore une fois. Espérant que j'aurai un petit peu plus de chance. Oui, attention au, ca au, oui, au canon du tank. Voilà, on prend. Voilà, le fusil, voilà, enfin la mitraillette. Oui, alors les armes dans ce jeu sont variées. Ça va à l'encontre des mitraillettes, des pistolets, des lance-flammes, des lance-roquettes. Bref, l'arsenal de guerre. Parfait. Ouais, allez, oui, je. Non, mais les mecs, ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Je sais que vous allez repoper, ça sert à rien de vous. De sortir de vos espèces de terriers, hein. Je sais que vous allez ma. Je sais que c'est votre spécialité, hein. Moi, ça. Attention, attention, mine, attention, mine, attention, 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 attention à ce qu'il y a derrière. Voilà, oui, c'est bien, ouais, ok. Ah, putain, mais que. Ah, attention. Oh merde! Oh putain, connard de. Bon, écoutez, je propose qu'on s'arrête là parce que là, franchement, j'en ai un petit peu marre. J'ai tout donné dans ce jeu. Le jeu, franchement, il a l'air d'être bien, mais un petit peu saoulant, limite un petit peu. Enfin, il est saoulant sur les bords. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Voilà donc, mesdames et messieurs, je propose donc qu'on s'arrête donc ici. C'était donc Turok Evolution sur Game Boy Advance, édité par Acclaim et sorti aux alentours de l'année 2002. Alors, le jeu franchement est bien, encore faut-il être un véritable fan hardcore des jeux de la science Turok. Et je vous rappelle que Turok est tiré d'un vieux comics de western de l'époque années 50, il me semble. Il me semble que c'est années 50 ou 60, je sais plus. Hein. Faudrait que je me documente ces jours. Voilà, donc, si ce vidéo vous a plu, si oui comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut!